Peggy 18. Bon, les filles, bien évidemment, le message d'avant, non, je suis pas enceinte. Il y en a plein qui m'ont dit, mais vraiment ou pas? Non, pas du tout. En tout cas, si c'est le cas, bah, je suis pas au courant. Enfin, bref, mais je trouve ça tellement pas rabaissant parce que, en vrai, moi, je vous dis la vérité, c'est que ça me gonfle les messages comme ça parce que je me mets à la place d'autres femmes qui reçoivent des commentaires comme ça. Dans la rue, dans la vie de tous les jours, parce que voilà, j'ai un peu de bide, parce que. Et c'est tellement méchant, je vous assure, c'est très, très, très méchant. Donc voilà, après, moi, je trouve que j'ai pas mal minci, donc je m'en fous. Et puis, je m'en cache pas, je m'en mets en maillot, je m'en mets en bide. Qui n'aimerait pas qu'on leur fasse ce style de réflexion, parce que ça peut provoquer des vrais complexes, ça peut être très blessant pour certaines femmes. Et donc, faut arrêter. Je trouve qu'en femmes, faut se soutenir justement, et il n'y a pas assez de solidarité entre meufs, et c'est trop dommage. Donc arrêtez de sortir des elle vous le dira en temps voulu si c'est le cas, et donc du coup ça peut vraiment vexer la personne. Bon, est-ce qu'il y a des filles qui me suivent, ouais, je pense, hein, mais qui ont fait le challenge, donc 21 jours avec Wonder Nana? À la base, je voulais acheter des choses pour moi. Et là, je ressors avec un sac H&M que pour Alia. Cette poêle, hein. C'est ça la vie des mamans. Hey. C'est mon chapeau. Allez, on peut. Je suis naturelle. Quand je vous dis qu'on est trop focalisé sur la petite, c'est trop. On est parti à la pharmacie avec ma mère. Ma mère, elle avait besoin d'un truc bien précis. Donc celle, elle me dit, on va à la pharmacie, j'ai besoin d'acheter ça. On va à la pharmacie, arrivé à la caisse, elle me dit, on a tout pris pour la petite. C'est ce qu'on n'avait toujours pas besoin, parce qu'en fait, je lui ai pris plein de gâteaux à la pharmacie qu'on testera. Mais on n'a pas pris mon truc. Voilà. Donc là, on est parti. Hein? Même. C'est un truc de dingue. Par contre, j'ai trouvé des habits, pour ça je suis contente. Quelques. Elle est belle. Donc là, mode bronzage activé. Voilà. Donc la petite fait sa sieste, en tout cas sachez quelque chose, peut-être que vous allez nous aider à trouver la solution. En fait, je vous explique, on veut partir comme je vous ai dit aux Seychelles là bientôt, sauf que les vols, donc on regarde l'aller, il n'y a pas beaucoup d'escale, il y a 2 heures d'escale, mais le retour pour faire les Seychelles jusqu'à Nice, il y a un Lu Pepito Mini. Une escale de 6h30, il n'y a pas d'autre vol avec moins d'escale. Est-ce que vous avez une solution? J'ai essayé de voir si par exemple on faisait Seychelles-Doha. Donc je prenais un vol Seychelles-Doha. Et ensuite je faisais Doha-Nice. Mais genre il y a, je crois, Seychelles-Doha, t'arrives à 23h30. Et Doha-Nice, il repart à 1h50. Genre ça fait un peu juste. Je sais pas, dites-moi si vous avez une solution s'il vous plaît.